Kitchenette, le live. Et vous l'attendez tous, le live de Max Bird est là. Voilà, on l'a connu humoriste depuis des années et pour la première fois, vous allez l'entendre en tant que chanteur. Alors Max, qu'est-ce que tu vas nous chanter ? C'est un extrait de ton encyclospectacle, c'est bien et ça ? Oui, oui, alors oui, je suis pas du tout chanteur, mais dans mon spectacle, en fait, j'essaie d'apprendre des trucs donc aux gens, comme je disais. Et en fait, je voulais faire un sketch sur un thème très particulier qui me tenait à cœur et j'ai pas réussi à écrire le sketch. Je voulais expliquer un phénomène, je voulais expliquer une théorie scientifique avec un sketch et j'ai pas réussi. Donc je me suis dit, j'ai écrit une chanson. Alors c'est un moment un peu bizarre du spectacle, parfois les gens ils mettent un petit peu de temps à comprendre ce qui se passe. J'imagine. Mais ça me permet d'expliquer cette théorie grâce à cette chanson. Et donc voilà, c'est ça que je vais faire l'extrait, ça s'appelle Sélection naturelle. Ah ah, Max Bird dans Kitchenette, j'espère que vous allez sélectionner sa chanson et son spectacle, l'encyclo Max Bird, on t'écoute. Il y a tant sur un brin d'ADN, tant de richesses contenues sur une seule cellule, on transmet à nos enfants tous nos gènes, qui les constituent molécule après molécule. Oh, et c'est pareil chez tous les animaux. On a des gras, des maigres, des forts et des pas beaux. Certains sont plus rapides, d'autres mieux camouflés. La seule question, c'est lequel fera le plus de bébé, bébé, bébé. Sélection naturelle, évolution darwinienne. Si tes gènes sont adaptés, tu vas bien procréer. Si tes gènes sont pourris, ta lignée s'arrête ici. Les petits poissons qui passent entre les mailles des filets se reproduisent mieux que les gros qui se font toujours attraper. Depuis que l'homme pêche, les poissons ont rétréci. Alors on fait des filets avec des mailles plus serrées, mais il y a encore des plus petits poissons qui passent et les plus petits poissons se reproduisent et donc les poissons sont de plus en plus petits. J'espère que vous avez compris cet exemple. Ouais. Parce qu'il est quand même très bien. Sélection naturelle, évolution darwinienne. Si tes gènes sont adaptés, tu vas bien procréer. Si tes gènes sont pourris, ta ligne s'arrête ici. Wow, 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 wow. À force d'adaptation, à force d'évolution, chaque animal a trouvé sa place dans la grande chaîne de la vie. Dans la grande chaîne de la vie, oh oui. On n'est pas les rois au fond, on n'est pas divins au fond. On est juste une espèce parmi tant d'autres ici. Sélection naturelle, évolution darwinienne. Si tes gènes sont adaptés, tu vas bien procréer. Mais si tes gènes sont pourris, ta lignée s'arrête ici. Max Bird dans Kitchenette. C'est pour le bac de biologie, ça, on peut réviser comme ça. Voilà. Exactement. Eh oui, exactement. C'est bien ça. Vous avez donné la leçon au professeur, c'est ça qui est chouette. Dans le spectacle, c'est toujours le moment que j'aime le mieux. C'est trop ma vie, quoi. Mes gènes sont pourris, c'est fini. Non, ça ne veut pas dire. C'est la société qui nous. La société nous indique mal. Ça faisait longtemps. La société, bah oui, c'est les autres. Oui. Comme le disait Didier Deschamps, je te sélectionne dans mon équipe. Non, c'est vrai. Jolie imitation. Eh ben oui, on continue dans le foot. En tout cas, merci Max Bird d'avoir participé à cette émission. Merci, bravo. Merci à vous. On t'applaudit encore. Merci beaucoup. Aujourd'hui dans Kitchenette, demain partout ailleurs.